Nostradamus, de Nostradamus. Donc, passons au débat à DHAX. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une évolution depuis Aya Nakamura comme chanteuse noire? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Ouais. Depuis l'arrivée d'Aya. J'ai envie de te dire, il y a Ronicia qui est sorti là. Mm-hmm. Et en plus, il a fait Flèche. T'as écouté Ronicia? Ouais, j'ai écouté. Ouais, j'aime beaucoup. Un peu. Tu vois, t'as beaucoup. Ça a fait Flèche. Mm-hmm. Donc, tu vois. Donc là, deux comme ça déjà, tu vois que c'est bon déjà, non? Ouais. Tu vois. Et deux qui sont en plus, tu vois, sur le devant. Parce que dans son créneau, Aya, c'est la queen, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et Ronicia, quand elle est arrivée, tu vois, personne ne l'a vu arriver. Et là, en fait, on est en train de la positionner comme en fait, ah, mais en fait, la prochaine, c'est toi, tu vois. Mm-hmm. Donc non, moi, je trouve que franchement, au niveau de l'évolution, déjà, tu vois que c'est bon, quoi. Aya, elle a ouvert des portes, tu vois. Mm-hmm. Elle a vraiment ouvert des portes. Hein. De ouf, tu vois. Ouais. Et quand je dis qu'elle a ouvert des portes, ça veut dire que Aya, il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'en rendent pas compte. Mais le fait, en vérité, qu'Aya soit sortie et qu'elle a fait des gros scores, ça a permis à des petites comme Wajden de sortir. Mmh. Et ouais. Les gens voient pas l'affiliation tout de suite. Mmh. Mais Wajden, pourquoi? Parce que Aya, on lui reprochait beaucoup ces histoires en fait de faute de syntaxe. Il y a beaucoup de gens, donc on va dire que la France moyenne ne comprenait pas en fait la manière dont Aya parlait. Donc en fait les gens disaient en fait c'est quoi et tout ça, c'est la France, c'est quoi, tu vois. Et vu que la musicalité est passée au-dessus, parce qu'en fait les trucs qu'elle sortait, c'était des dingueries. En fait, on est passé à côté. On a dit, non, en fait, quand la musique est bonne, elle est bonne. Vous êtes là, vous écoutez des carrés toute l'année, en fait, vous comprenez pas. Pourquoi vous faites semblant avec Aya? Exactement. Tu vois? Mmh. Et vu que ce truc, en fait, il est sorti, derrière, ça a permis, en vérité, à Wajden de faire un sommaire dans lequel, en fait, elle parle mal de la France. Tu vois? Si je joue à son jeu, elle parle mal de la France. Et en fait, ça a pris. Donc, ça, c'est pour montrer, en vérité, que Aya, en fait, tu vois, tout, elle a cassé une frontière. Elle a dit, donc, comme cela et tout, on peut ne pas très bien écrire. Mais si en fait au niveau de tes mélos, tes trucs en vérité c'est bon, ben vas-y viens, prends. Donc pour moi en vérité, ouais, pour moi il y a une évolution. C'est clair. Marianne, tu veux rajouter? Ben écoute, oui, comme il a dit, il y a une évolution. On voit de plus en plus de chanteuses noires qui arrivent. Et franchement, ça fait du bien à voir. Mmh. Et nous, ça nous motive encore plus en fait. Okay. De se dire que voilà, on arrive, on s'impose. On commence à être visible dans le paysage artistique. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Mmh. Voilà. Et en plus de ça, je vois plusieurs femmes artistes qui collaborent entre elles. Okay. Si je peux citer... Bien sûr. Le Juice et Davinor. Mmh. Donc, ça fait plaisir à voir. Non, franchement, c'est bien. Isul, tout ça. Oh. C'est vraiment cool. Okay. Ouais. Ok. Myriam, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense plein de trucs. En fait, Aya, c'est sûr qu'il y a une évolution. Ouais. Pour plein de trucs. Déjà pour la représentation que c'est, en fait. Mm-hmm. Au-delà, on sort de l'artistique. C'est quand même une femme noire, une artiste, chanteuse noire, qui a fait la une de Vogue, qui est passée dans le New York Times. Elle a gagné un tas de récompenses. Elle a une esthétique très diva aussi, très... à l'américaine en fait, à la Megan, à la Doja Cat, c'est-à-dire très sexy. Et elle est partie comme ça aux victoires de la musique. Mm-hmm. Elle en avait rien à faire de la ménagère qu'elle allait être choquée. Et aussi, Aya en fait, dans son succès, elle a été sacrifiée aussi. Okay. Je parle médiatiquement. En fait, Aya, là, elle est dans une situation particulière qui est que... en fait, elle se sacrifie dans le sens où... il n'y aura pas de Aya. C'est-à-dire le traitement qu'on lui fait, là, on laisse le bénéfice du doute encore aux gens de dire, bon, allez, c'est Aya, peut-être qu'ils ne l'aiment pas parce qu'elle fait de la mauvaise musique. Mais ils ne pourront pas faire ça deux fois. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais. On sait, je parle de la majorité du problème avec Aya, la majorité des gens, le problème, ce n'est pas sa musique. C'est le fait que ce soit une femme noire. Ouais. Mais là, on peut encore jouer au con dans le sens de dire, ouais, non, bon, allez, c'est Aya, peut-être qu'ils ne l'aiment pas, peut-être parce qu'elle fait de la mauvaise musique, elle écrit mal, c'est cela. Il y a un petit doute qui plane, ça ne passera pas deux fois. Ça y est, c'est bon, vous l'avez fait avec Aya, vous ne pouvez pas le faire avec d'autres artistes, parce que sinon on va voir que vous trahissez, en fait. Mmh. Aussi, je suis contente qu'enfin, une femme, après, il n'y en a pas eu tellement avant, donc je ne sais pas si c'est la première volontairement ou si c'est juste parce qu'elle a eu l'occasion de le faire, mais je suis contente qu'elle ait fixé des limites.
Par exemple, tout le monde a fait un scandale quand, par exemple, elle n'est pas venue au Energy Music Award. Moi, j'ai jubilé le fait qu'elle n'ait pas fait, qu'elle n'ait pas venue, en fait. J'étais là, mais oui, voilà. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Déjà, il y en a plein qui se le permettent. On lui reproche qu'à elle, mais bon, bref, passons. Mais elle a raison. En fait, je suis contente qu'elle n'ait plus envie de se racheter. À un moment, elle était dans ce truc de, bon, allez, je vais jouer, je vais courber les chines et tout. Et en fait, au final, elle s'est dit, non, bah non. Bah non. Vous voulez croire que je suis arrogante ? Allez, je le suis. Vous voulez croire que je suis imbérable ? Bah, je le suis. Et je ferai aucun effort, et c'est comme ça. Mais en attendant, je fais hit sur hit, et ça, c'est une réalité. Voilà. Et ça, c'est ça, comportement en vérité d'une boss. Voilà. Tu vois, c'est les trucs qu'on ressort souvent, tu vois. Lorsqu'en fait, on a des artistes qui viennent, qui se plaignent et tout, tu vois. Parce qu'en fait, ça se passe pas mal. Ça se passe mal parce que dans vos positionnements d'artiste, à un moment donné, vous voulez pas en fait être leader. Vous écoutez trop en vérité ce que les autres ont à vous dire. Quand t'es là, t'es artiste, c'est toi qui proposes. Fais ce que t'as envie de faire. Exactement. Arrête d'écouter en vérité ce que les autres sont en train de te dire parce que c'est là en fait tu vas te perdre. Exactement. Tu vois. Et la grande force justement d'Aya dans ce truc-là et tout, c'est qu'au bout d'un moment, elle a compris, elle a dit, hey, comme ça là et tout, je sais qui je suis et en fait on verra ce que, on verra à la fin comment ça va se passer. C'est pour ça qu'elle est aussi forte, tu vois. Là maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Les gens ils savent en vérité que ça va plus l'atteindre. Et c'est là en vérité, elle a pris le contrôle du truc. Et elle sait qu'elle aurait jamais plus de toute façon. Voilà. Elle aurait pu faire ce qu'elle veut, elle aurait jamais plus là. Elle est en train de gagner du temps, de l'énergie et de conserver tout son charisme à pas aller à droite, à gauche, mendier de l'amabilité de médias qui sont aimables avec absolument tout le monde sauf elle. Mais exactement, bref. Exactement. Voilà. Du Bronx. Ouais, ben, elle a cassé le plafond de verre. Faut pas oublier qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il y avait un directeur artistique célèbre de maison de disques. Qui a dit qu'en fait les Renault en maison de disques ça passe pas. Il a dit clairement, il dit que ça passe pas. Ouais, mais c'est. Ouais. Bah après, lui, il avait sûrement ses raisons. Mais lui, il est là, il regarde les chiffres. Les statistiques. Il regarde les statistiques, ça passe pas. Ouais. Après, on s'est pas posé la question pourquoi ça passe pas. Mais ça passe pas. Elle a cassé le plafond de verre parce que déjà, elle est arrivée avec la formule, parce que c'est une vraie hitmaker. Ensuite, elle est arrivée avec de la noire musique, de la black musique qui passe ici en France. Parce qu'elle est un peu épurée, parce qu'il y a des sonorités kinf qui sont là. Parfois, ça tourne un peu vers les îles, mais c'est surtout kinf. Donc effectivement, à partir de là, déjà c'est quelque chose qu'elle maîtrise, c'est quelque chose qu'elle incarne, et c'est quelque chose, ici en France, tu vois, ça passe, tu vois. Il y a eu des zouk machines, machin et tout. Tu vois, ça passe. Après, elle arrive avec une attitude. Comme il dit Mangadak souvent, le Caribe c'est quoi ? C'est comme ça et c'est pas autrement. Et elle est dans un boy de c'est comme ça, c'est pas autrement. De toute façon, même si c'est autrement, vous serez pas content. Donc, à partir de là, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et la go, elle est là, elle a insulté Nikos. On l'a même direct. Le grand Nikos. Elle a insulté Nikos. Face à face. Moi, je trouve que c'est bien, elle se laisse pas faire. C'est ça, elle a du caractère, faut s'imposer. En fait, faut imposer sa personnalité. Son caractère, c'est important. Il y a trop de femmes. Imposer sa personnalité, c'est important. C'est bien. C'est ça. Et donc, après, il fallait aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi ça passait pas avant? Les grandes sœurs, avant, quand ça arrivait avec la noire musique, elles sont arrivées avec des trucs un peu trop techniques pour les gens. Effectivement. Ça passait pas. Ils comprenaient pas. Il y en a même parfois qui arrivaient avec ça, c'était pas maîtrisé. Et donc eux, ils étaient arrivés dans un mode où ils laissaient parler la musique, mais la musique ne parle pas. Donc ce qu'Ala Kamara elle a fait, elle a parlé elle. Elle a d'abord parlé elle, en disant vraiment ce qu'elle avait à dire, et la musique est passée après. Parce qu'effectivement, quand elle est arrivée avec comportement, on pouvait penser que c'était un accident. En fait, non. Elle a travaillé la formule. À un moment donné, elle travaillait même elle-même ses beats. C'est-à-dire c'est pas elle qui les faisait, mais elle était là, elle faisait ça quasiment sur commande. En live, tu vois, pendant la fabrication même. Et donc, effectivement, c'est comme ça que c'est passé. Après, les autres, elles ont. Maintenant, en France, on arrive à comprendre que c'est possible. Contrairement à ce que notre gars directeur artistique disait. Et après, maintenant, c'est à eux de faire le boulot et de se placer avec des choses efficaces, simplement. Mais au moins, si c'est efficace, ça va passer. Il y aura moins de questions qui vont se poser. En gros, c'est ça. Et il n'y a pas que dans la musique, il y a aussi dans le pura, les juice qui arrivent, les chai qui arrivent. Qui s'installe, qui se place, ça arrive un peu partout. Oui.
Tu penses qu'il y aura une prochaine Aya? Prochaine? Ouais. Dans quel sens, prochaine Aya? Niveau succès et tout ça. Bah. Je sais pas. En fait, Ronisia, elle est sur la bonne voie. Ouais. Ronisia est sur la bonne voie. Après, on. C'est pas la même chose. Hein, On peut pas prévoir. Mm-hmm. Je pense que c'est compliqué en fait. On peut pas prévoir, tu vois, parce que. Ah, y a le truc qu'à la fin, en vérité, tu vois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais si ça a été fait une première fois, c'est-à-dire que le trou est déjà là, c'est-à-dire qu'en fait, on peut continuer. Mm-hmm. Tu vois. Donc, logiquement, on peut continuer. Donc, toutes les auditrices en fait qui sont là, qui nous entendent, qui ont envie de, tu vois, tenter après, de chance, en fait. Après, la vérité, c'est que dans la musique urbaine en France, une Aya Kalamora, quelle que soit la race confondue, il n'y en a pas eu. C'est la première. Il n'y a personne qui a maîtrisé le game comme elle maîtrise. Là, comme on a fait, là, c'est gudin. Hein. Elle t'enchaîne les diamants. Et partout où elle arrive, elle s'impose. Elle était numéro 1 dans 17 pays. C'est chaud, non, ce ouais. 17 pays, mec. Moi, Aya Kalamora, un jour, j'ai vu faire son entrée dans le foot que dans de BX. Ouais. Inauguration. Mm-hmm. L'entrée qu'elle a fait. Mm-hmm. L'entrée. Hein. Mm-hmm. Star. Star la Mongo, idole des jeunes. Franchement, non, au idole calme, des jeunes, ah ouais. Sans forcer, idole des jeunes. Okay, d'accord. On appelle l'idole des jeunes. Okay, et personne qui a fait ça. Okay. Les gens ils sont obligés de la comparer jusqu'à Edith Piaf. Ils vont remonter à Edith Piaf. Edith Piaf, c'est avant la guerre. Ah ouais. Faut te dire qu'on n'a pas vu ça depuis. Ouais, exact. Donc ça va être compliqué. Hein. Ah, ça va être compliqué, ça veut dire. C'est-à-dire que Ronija, respect, mais ouais. Tu vois, ça va être dur. Ouais, j'avoue. Non, Aya, c'est quelque chose, hein, tu vois, elle a du charisme et tout voilà, ça. Voilà, c'est ça, en fait. Elle est assez grande, en fait. c'est un tout. Ouais. Et elle a des épaules solides, surtout, aussi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, mais là, tout genre confondu, qui auraient supporté. Mm-hmm. C'est même pas de la méchanceté, c'est la mauvaise foi. Ouais. Je pense que c'est pire, en fait, d'être confronté H24 à de la mauvaise foi qu'à de la méchanceté, en fait. Et, clairement. Et dans tous les camps, hein. Parce que ça a tiré même chez elle. Ah, mais oui, mais partout. Ça c'est gueudin, ça, tu vois. Parce que même chez elle, ça a tiré, tu vois. Mais c'est insupportable, en fait. Ouais. C'est que c'est. Aya, je pense que si on tape son prénom sur Internet, il y a plus de débats parallèles que de gens qui parlent de sa musique. J'ai jamais vu autant de haine, mais vraiment de la vraie colère, se déchaîner juste sur quelqu'un qui a une actualité. Hein. Je parle pas de quand elle fait quelque chose. Mmh. Elle a merdé des fois, même moi je le dis. Et d'ailleurs, je dis tout ça et je suis pas du tout fan d'elle dans le sens où j'écoute pas sa musique. Okay. Pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est juste que c'est pas mon style. Mmh. Mais du coup, c'est juste d'un point de vue extérieur. C'est terrible ce qu'elle vit. Là, elle va faire un feat avec Damso. Elle est sortie d'ailleurs là. Voilà. Pourquoi les gens la détestent autant en fait? Je l'ai pas en fait, je le tiens pas, tu vois. J'arrive pas à saisir. Quoi, les gens sont pas d'accord avec le fut d'un homme. Bien sûr, mais encore une fois, il laisse un doute planer. Non, c'est juste parce qu'elle fait de la musique de merde. Bon, si la musique de merde ça te met autant en colère, on va avoir un psy, mais genre. Non, ça veut dire que ta vie va bien. Voilà. Non, mais il y a quand même qui te met en colère. Je pense que Marianne a raison. Tu sais, les gens ils aiment pas quand. Quand c'est une personne noire. Exactement. C'est ça, qui s'affirme. Exactement. Tu vois, je veux dire. Et c'est ça, tu vois. Les gens, ils aiment pas. Eh oui. Les gens, ils aiment bien des renois comme des. Mais regardez. N'Golo Kanté, tu vois, je veux dire. Des tout gentils. Ah oui, maître, oui. Mais... Quand t'as un renois qui s'affirme et tout ça, là, ça dérange, ouais. Hein. C'est ça le problème. Mais c'est pareil pour la chanteuse, si je peux citer Isult. Hein. Elle subit beaucoup d'acharnement médiatique. Ouais, c'est parce que c'est des femmes noires qui ont la peau foncée, faut le dire. Faut dire la vérité. Non, mais dès que t'es une femme noire et que t'es foncée, que tu t'affirmes, tu passes mal. Enfin, je veux dire, les gens ont plus de facilité à te critiquer qu'une femme qui est plus claire. Je suis désolée, c'est la vérité, faut le dire. Bien sûr, et en plus, ça se tiendrait s'il critiquerait sa musique. Moi, je veux bien entendre que ce soit pour Chai, pour tous ces. Enfin, je vais prendre Chai et Aya parce que c'est les deux principales, dans le sens où je pourrais comprendre qu'on les critique, elles, enfin, leur musique, les artistes. Mais Aya, mais elle met le nez dehors, c'est direct. On insulte tout son arbre généalogique. Et le pire, c'est que c'est pas, on va dire, les haters normaux qu'on a l'habitude qui sont dans le truc urbain et tout. Faut sortir de ça, c'est que. C'est vraiment la ménagère en fait. Oh, c'est. La ménagère qui s'arrache les cheveux dès qu'il la voit. Comment dirais-je, ça fait tout droit de la voir comme ça en TF1. Ouais.
Une grande noire comme ça, noire, bon char en plus, tu vois, je veux dire. Frère, c'est pas facile, hein. Tu vois, je veux dire. Ils sont là, regarde après les feux de l'amour, elle voit une grande noire comme ça. Quand elle est venue aux Victoires de la musique, j'étais trop contente. Elle est venue en combinaison et tout, il y en a qui ont dû faire des crises cardiaques. Et les gens sont pas prêts, hein. En 2022, les gens sont pas mais prêts. Mais c'est ça. Ah ouais. Alors qu'il y en a qui viennent au César à Walp. Je te jure, mais c'est ça. Et dès que tu quittes en France les grandes villes, et c'est dur, hein. Et c'est dur, hein. C'est comme ça, hein. Ça fait partie du jeu, hein. Comme on dit, hein, le combat continue, hein, vraiment. Exactement, hein, le combat continue. Le combat continue. En tout cas, on compte sur toi, hein, pendant les années qui vont arriver. Exactement. Hein. En tout cas, donc, je vais tout faire pour. En tout cas, hein, quand ça va prendre et tout ça, faut avoir les épaules larges. Hein. Ouais. Hein. Je pense que je suis préparée depuis le temps où je bosse, que j'ai commencé la musique. Je pense que mon caractère, même ma personnalité, je pense que je suis beaucoup plus affirmée qu'avant. Donc je pense que, ouais, j'ai les épaules. Ok. Elle est prête. Hein, ouais. Elle est prête. Hein. Elle est prête. Ok. Mais écoute, là, il nous reste 3 minutes. Hein. Mm-hmm. En 2-3 mots sur l'album de Renissa. Camus de Nostradamus.